Comment avoir de l'argent pour avoir 500 000? Comment avoir 500 000? C'est le sujet de cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, encore comme hier, et c'est encore votre petit élève, d'autre part maître, comme tout le monde le dit. Mais Inch'Allah, nous sommes tous des élèves sur cette terre car on ne finit jamais d'apprendre. Donc il est devant vous aujourd'hui pour vous montrer un secret pour avoir 500 000, un secret pour avoir de l'argent, mais précisément 500 000 francs. Ce secret, il se fait, mais vous devez respecter les étapes à suivre et les démarches à suivre pour faire ce secret. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, il faut savoir que moi je suis Muslim Wali. Je publie des secrets mystiques et spirituels, le domptage des femmes et de prospérité dans le commerce. Je publie tous les secrets mystiques. Seulement le secret que je n'ai pas encore publié, c'est le football, c'est sur le football. Et sur le... En tout cas, il y a deux domaines que je n'ai pas encore publiés. J'étais en train de chercher sur ce domaine, donc j'ai publié sur ce domaine aussi. Donc si tu es nouveau, il faut t'abonner pour ne pas rater mes nouvelles vidéos, parce que tu ne sais pas la surprise que je te réserve la prochaine vidéo. Donc il faut t'abonner, active la cloche de notification et regarde cette vidéo de A à Z pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Comme vous le savez, moi j'aime trop parler, je parle trop parce que je veux que les choses soient compréhensibles. Faut pas que tu aies fait un secret, tu vas dire que Muslim Wali avait dit que si tu fais ce secret, tu auras 500 000 francs. Mais moi j'ai fait le secret, ça n'a pas donné. Donc il faut que tu suives ma vidéo de A à Z. Moi je vous aime, si tu aimes, si tu m'aimes, il faut faire une pouce bleu sur cette vidéo et commente une petite commentaire pour me faire plaisir, car j'aime toujours les plaisir, car j'aime toujours les commentaires, ça m'inspire dans mon travail. Mais bien avant de commencer, même je tiens à vous informer que j'ai déjà créé un groupe WhatsApp, et dans ce groupe WhatsApp, même si je ne vais pas donner trop de secrets là-bas, je vais essayer quand même de répondre à toutes vos différentes questions dans ce groupe WhatsApp. Donc le lien de ce groupe WhatsApp est dans la description de cette vidéo. Ok, nous ne sommes pas là pour faire la promotion de notre groupe WhatsApp, mais nous sommes là pour avoir 500 000 francs pour l'avoir, et puis ça se fait nos besoins, et ça demande du travail, c'est un secret sans conséquence, et vous savez aussi que les secrets sans conséquence, leur travail est très très difficile, parce que les conséquences d'abord c'est quand tu vas tuer ton corps pour faire ce travail là, c'est ce travail qui va te donner 500 000 et tu n'auras plus de conséquences. Ok, comment se fait ce secret? Ça c'est que ce secret, et vous allez m'excuser les chrétiens, mais Inch'Allah, la prochaine vidéo que je vais faire, je vais tenir en compte comment avoir 500 000 sans être musulman, parce que ce secret ça va concerner pour ceux qui sont des musulmans. Parce que dans ce secret, c'est une affaire de zikr qui est là-bas. C'est une affaire de zikr qui est là-bas. Donc les chrétiens, même s'il y a des gens, il y a des trucs aussi qu'on peut faire pour avoir 500 000 sans être musulman. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça aussi. Parce qu'avec Muslim Wali, moi, je n'aime pas que les gens soient inégalement répartis. Donc, tous ceux qui me suivent sur cette chaîne auront tous ceux dont ils ont besoin. Voilà, donc c'est ce qu'on dit en Moré, que Nantanet Fan Ligri. Voilà, donc ça va suffire à tout le monde. Ça va suffire à tout le monde. La prochaine vidéo, je vais montrer comment avoir 500 000 sans zikr. Je vais montrer comment avoir 500 000 sans zikr. Mais dans cette vidéo, ça va concerner uniquement que les musulmans, et parce que c'est un secret de zikr. D'ailleurs, même j'ai une nouvelle chaîne que les gens là-même ne connaissent pas, cette chaîne. Il faut aller t'abonner sur cette chaîne aussi. Parce que c'est une chaîne, sur cette chaîne-là aussi, c'est pur musulman. C'est une chaîne de zikr. Voilà, là, sur cette chaîne, c'est pur musulman. C'est une chaîne de zikr. C'est une chaîne de zikr plutôt. Voilà, donc allez-y là-bas, vous abonnez. Le lien de cette chaîne est dans la description encore. Allez vous abonner massivement. D'ailleurs, même j'ai mis un document. Si tu n'as pas encore téléchargé le document de 11 pages, il faut cliquer là-bas pour télécharger le document. Parce que je vous aime, je vous donne tout gratuitement sur cette forum, sur cette chaîne. Bien avant de. Donc, on va rentrer dans le sujet de cette vidéo. C'est un secret qui se fait avec la Sourate Fatiha. La Sourate Fatiha, comment ça se fait avec ce secret? Ce secret,
Elle est très facile à pratiquer, mais c'est kun fayakun. C'est kun fayakun parce que c'est un secret déjà testé et approuvé. Tous les secrets que moi je donne ici, essayez de les faire, vous allez témoigner. En tout cas, je reçois des témoignages en privé, mais Inch'Allah, j'aimerais que les témoignages soient très très beaucoup, parce que les témoignages que je reçois, et par jour, ça ne dépasse pas 5, 6 comme ça. Donc ça fait que moi, je veux qu'à chaque jour, je gagne par exemple 50 témoignages, 100 témoignages. Là, ça m'inspire trop, mais par jour, c'est 5, 6. Tu te retrouves avec ce genre de témoignages, ça veut dire que les gens là-même, ils suivent les secrets là-même sans les faire. Parce que je suis sûr et certain que celui qui fait mes secrets aura certainement une réussite. En tout cas, s'ils commentent mes vidéos, s'ils suivent mes conseils, s'ils mettent des pouces bleus sur mes publications, parce que c'est ça qui est la sadaqa, c'est ça qui est le sadaqa, et un secret. Parce que à chaque secret que tu veux donner à quelqu'un, il faut que tu prennes quelque chose. Mais compte tenu que je ne prends pas quelque chose, le sadaqa de le secret, c'est de faire un pouce bleu sur la publication et de mettre un j'aime et de faire un petit commentaire. C'est ça qui fait marcher les secrets, même s'il y a d'autres choses à ajouter. J'ai fait une vidéo. Voici le lien, voici la description de cette vidéo qui se présente ici. Si tu n'as pas, si tu ne sais pas comment faire pour que les secrets marchent, j'ai fait une vidéo, voici celle qui se présente à l'écran ici. Clique sur cette vidéo et puis tu verras comment faire pour que les secrets marchent. Et donc, c'est un peu ça. Donc, on va rentrer dans le sujet de la vidéo parce que je parle seulement sans rien dire de bon. Mais, excusez-moi les frères. Ok, donc ce secret, ça se fait avec la sourate. Si tu fais ce secret, tu auras 500 000 fois sous ton tapis de prière. Sous ton tapis de prière, comment je fais ce secret? D'abord, avant de faire ce secret, si tu peux, tu peux diviser le chiffre de Astaghfirullah 124 000 fois. 124 000, tu prends 124 000, tu divises par 3. Tu divises comme tu veux, mais tu dois finir le secret de Astaghfirullah là, dans 3 jours. 124 000 là dans 3 jours. Mais si tu ne peux pas faire le secret à 100 francs, 124 000 francs pendant 3 jours, il faut essayer de faire 1947 à 100 francs chaque jour pendant 7 jours, au moins. Voilà, 1947 à 100 francs chaque jour pendant 7 jours avant de rentrer dans ce secret. Si tu peux faire un truc, un jeûne, tu peux faire le jeûne pendant 3 ou 7 jours, ça dépend de tes possibilités, parce que dans ce secret, on ne force pas quelqu'un. Mais si tu ne peux pas faire tout ça aussi, ce n'est pas grave. Mais si tu veux que le secret réussisse rapidement pour toi, il faut faire ce que moi j'ai dit. Voilà, mais si tu trouves ça très compliqué, tu peux passer directement au secret. Ok, ce secret, c'est un zikr de la sourate Fatiha. Comment ça se fait? La première nuit, tu dois zikrer la Fatiha 55 fois. Le nombre 55 vient de l'addition du poids mystique des 10 premières lettres de l'alphabet arabe. Les 10 premières lettres de l'alphabet arabe, comme la lettre Aleph qui a la date 1, le Ba qui a la date 2, le Gim qui a la date 3, le Dol qui a la date 4, le Ha qui a la date 5, le Waw qui a la date 6, le Zayn qui a la date 7, le Ha qui a la date 8, le Tchad, le Ta, on dit Ta, Abata, Sa. Ça, le ça. Parce qu'il y a deux prononciations pour le ngob. Ok. Ceux qui lisent le courant le savent. Et ya pour la lettre D et ya qui est un truc 10. Qui a pour quoi mystique 10. Donc, le total donne 55. Voilà, si vous pouvez faire le calcul. Le total donne 55. Alif c'est 1. Ba c'est 2. Jim c'est 3. Da c'est 4. Ha c'est 5. Waw c'est 6. Zayn c'est 7. Ha c'est 8. Ta, ça est 9. Et ya est 10. Le total donne 55. Donc, c'est le poids mystique des 10 premières lettres de l'alphabet arabe. 55 est aussi le poids mystique du Mujib. Mujib qui est un nom du Seigneur. Mujib, ça fait partie des noms de Dieu. Donc, le poids mystique de ça, ça c'est la première nuit que vous allez faire le zikr. Le zikr de la Fatiha, 55 fois. Maintenant, deuxième nuit, qu'est-ce que vous allez faire? C'est encore le zikr de Fatiha, mais c'est encore un autre nom. La deuxième nuit, vous allez faire le zikr de la Fatiha 740 fois. 740 est le total du poids mystique de la 11e lettre de l'alphabet arabe qui est Kaf. Kaf là. Voilà, c'est le poids mystique de la lettre Kaf. Qui est le 11e lettre de l'alphabet. Qui est 20 jusqu'à la 20e lettre qui est Ra 200. Est-ce que vous me comprenez un peu? 740 est le total du poids mystique de la lettre, de la 11e lettre quoi? Le 11e lettre de l'alphabet arabe qui est Kaf, qui est 20 jusqu'à la 20e lettre qui est Ra, 200.
Donc 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 plus 80 plus 90 plus 100 plus 200 égale 740. Voilà, vous allez faire ça 740 fois. Donc ce sont des choses qui sont un peu mystiques, quoi. Voilà, la troisième nuit, zikr de la Fatiha 300 fois. Ce chiffre est le point mystique de la 20e lettre de l'alphabet arabe, qui est Sin. Le 20e lettre de l'alphabet arabe, comme vous le savez, qui est Sin. C'est d'ailleurs que la sourate Yassin, ok, je vais pas rentrer en profondeur de ça, parce que je vous avais parlé de la lettre Ya aussi. Voilà, la lettre Sin, ici aussi. Et ce sont des lettres mystiques. Je ne vais pas rentrer dans ça, dans cette vidéo. En tout cas, la sourate Yassin, celui qui a les clés de la sourate Yassin, vraiment, la personne, voilà, c'est une personne que vous devez respecter parce qu'il a toute la clé. Quatrième nuit, zikr de la Fatiha 400 fois. C'est le point mystique de la lettre Ta. Ta. Voilà, c'est le point mystique de la lettre Ta. Si on dit, il y a Ta et puis il y a Ta. Ceux qui lisent le Coran le savent, hein. Voilà, cinquième nuit, zikr de la Fatiha 500 fois. Point mystique de la lettre Sa. 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 C'est le point mystique de la lettre Sa. Sixième nuit, zikr de la Fatiha 600 fois. Point mystique de la lettre Kha. Kha. Point mystique de la lettre Kha. Septième nuit, zikr de la Fatiha 700 fois. Point mystique de la lettre Da. Si on dit Dal, c'est la lettre Dal à quoi? Da. Et donc, mais bien avant de continuer cette vidéo, j'aimerais annoncer à toute personne qui m'écrive, qui s'amuse avec moi dans les privés inbox, de cesser parce que tu vas venir avec un problème et repartir avec deux problèmes, plus ton problème, ça va devenir trois problèmes. Parce que j'ai même fois parlé que mes numéros ne sont pas pour ceux qui sont des plaisanteries. Je répète ça dans toutes les vidéos. Je ne sais pas si les gens écoutent avec leurs narines. Bon, mais je ne sais pas si mes paroles vous ont offensé, mais vraiment, moi-même, je suis énervé. Moi-même, je suis énervé à tel point que je ne peux même pas m'écouter. Voilà, donc, si tu viens dans mon privé avec tes plaisanteries, tu m'écris des quoi, des conneries comme ça. Et il faut cesser. Voilà, s'il y a des enfants de 13, 14 ans qui me suivent sur cette scène-là, qui n'ont qu'à se désabonner définitivement. Voilà, je ne suis pas ici pour m'amuser. Et ceux aussi qui viennent dans mon privé croyant que moi je suis un anarcheur, que moi je suis quoi et consort là. Vous êtes des têtus. Ce sont des gens qui sont là, ils font des enquêtes sur moi, je ne sais pas. Ils changent de numéro, ils m'écrivent, font des enquêtes sur moi, bon, je ne sais pas. Hein. Donc, il faut cesser ça aussi. Voilà. Si tu crois vraiment que je suis un anarcheur, ça vaut même pas le coup de m'écrire encore. Ça suffit, quoi. Voilà. Et donc, en tout cas, il y a des gens qui me mettaient la pression que ça fait longtemps que je n'ai pas publié de vidéos. C'est vraiment vrai. Ils ont raison. Parce que, actuellement, je suis très concentré sur les travaux des élèves. Vous savez que c'est l'approche des examens. Voilà. Donc, actuellement, c'est travail. Jour et nuit, c'est examen seulement. Jour et nuit, c'est examen. Voilà. Donc, ça fait que cette semaine, je suis vraiment concentré sur ces travaux-là. Mais, je ne manquerai pas de vous donner des vidéos, de vous faire des vidéos sur les secrets mystiques et spirituels. Donc, si vous aimez vraiment mes vidéos, il faut partager mes vidéos dans tous les groupes. Il faut mettre une pouce bleu, un petit commentaire, ça me plaît très bien. Donc, moi je vous aime, si vous m'aimez aussi, mettez une pouce bleu sur mes vidéos. Car je ne manquerai pas de vous faire réjouir. D'ailleurs, même dites-moi dans les commentaires quelle vidéo vous voulez, quel secret vous voulez que je vous donne la vidéo prochaine. Mais si tu me suives et puis tu sais que tu es en train de, tu es un plaisantin, faut même pas contacter mon numéro parce que tu vas repartir avec deux problèmes plus ton problème. Ça va devenir trois problèmes parce qu'à ce moment, il faut qu'on soit clair. Moi, j'ai averti ça plusieurs fois, mais il y a des gens qui continuent de s'amuser avec moi dans les inbox. Ça ne se passe pas, ça ne se fait pas comme ça. Donc, on continue avec notre secret. Huitième nuit, zikr de la Fatiha, 800 fois. Pas mystique de la lettre Za. Neuvième nuit, zikr de la Fatiha, 900 fois. Pas mystique de la lettre Gaïn. Gaïn. La lettre Gaïn, les lectures, ceux qui lisent le Coran savent. Et dixième musique de la Fatiha, 1000 fois par mystique de la lettre Chine.
Au terme des 10 nuits de zikr, vous aurez un zikr de 5995 qui est la date de Kulli. Vous avez ce qui c'est le Kulli. Donc si vous faites tout, le total, vous faites la combinaison, vous aurez le premier cycle de Kulli, Kulli Umratan. Donc c'est à chaque fois que dans le Coran, si vous regardez dans les sourates, souvent vous allez voir ça. Lorsque Dieu veut donner un message, il dit Kulli, Kulli. Il dit à Mohamed de dire à cela, Kulli, Kulli, Kulli à Rasulullah. Il dit à Mohamed de dire à cela. Donc, si tu fais ce secret, je jure par Dieu que le 10e jour, tu réveilles, tu enlèves le tapis, tu prends ton argent, tu le divises par 3. 500 000, 550 000, ça dépend. Ça dépend de ce que Dieu veut te donner, mais le minimum c'est 500 000. Tu peux avoir 550 000. Tu divises ça par 3. Et par exemple, si tu prends, par exemple, je prends une petite somme pour faire le calcul pour que ça soit clair. Par exemple, 5 000, tu prends 5 000, tu divises par 2. Ça donne 2 500. Tu prends 2 500, divisé par 2, ça donne 1 250. Tu donnes les 1 250 là à une personne et puis tu bouffes le reste. Donc ça veut dire que toi, tu dois diviser l'argent là en 3 parties. Tu prends les 1 partie là pour faire une sadaqa. Et c'est ça, tu auras la bénédiction de Dieu, tu auras le paradis et tu auras ton argent. Donc tu bénéficies de tout. Parce que tu as fait au moins à quelqu'un. Donc à chaque fois que tu en as besoin, tu rentres dans ton... Tu fais la même chose. Et c'est un secret qu'on fait qu'on... testé et approuvé plusieurs fois par Muslim Wali. Ce secret, si tu le fais le 10e jour, tu enlèves le tapis seulement, tu verras la somme. Voilà, mais moi je n'ai jamais touché les 550 000. À chaque fois, c'est les 500 000. À chaque fois, c'est les 500 000 que moi je touche. Ça dépend de la chance de quelqu'un, de chacun. Mais le secret, c'est que moi je suis favorable. Ah, et puis il y a le secret aussi que je ne suis pas très très favorable. Donc moi-même je sais que la nature ça dépend souvent des chances de chacun. Voilà, donc et vraiment j'étais très content de vous partager ce secret. Et vraiment je suis motivé à poursuivre le travail sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, j'ai fait une vidéo comment appeler un djinn musulman et comment appeler un djinn kafir. La vidéo pour appeler un djinn kafir là, c'est le djinn karatouchi. J'ai fait une vidéo de ça et j'ai fait une vidéo de 23 minutes. Ça c'est une vidéo pour appeler des djinn musulmans. Ça c'est une vidéo pour appeler des djinn musulmans et donc ça fait 23 minutes. C'est deux djinn, c'est deux secrets qu'il y a dans cette vidéo. Mais la vidéo pour appeler djinn chrétien là, djinn kafir là, c'est karatouchi. Si tu vois une vidéo qui est écrit karatouchi, faut savoir que c'est le djinn mécréant. Donc vraiment je suis très content de vous revoir à la prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.